Je suis Ricona. Qu'est-ce qui vous emmène devant nous ce matin? Depuis 2006, j'ai fait un songe qui m'a rendu malade. Deux femmes couchées, nattées. Il y a un buffle au milieu. Et derrière moi, il y a un chasseur qui a fusillé le buffle au milieu des deux femmes. Quand je me suis réveillé, mon cœur battait fort, je bois l'eau, je glisse. Trois jours après, je vais à l'hôpital, on dit j'ai le diabète. Et depuis ces jours, je traîne la maladie. Et dans le mois de mars, j'ai été piqué par une punaise dans la chaussure. J'ai pas vu tôt. Quand j'ai vu, j'ai enlevé. La plaie était petite, mais ça s'aggravait. Et jusqu'à ce que mon pied soit infecté. En tant que diabétique, je suis allé à l'hôpital à l'INST de la Gamera. On dit que, est-ce que tu sais, on va couper ton pied. Il dit, ah. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis chrétien, je suis le temple du Saint-Esprit. Comment Dieu va couper un pilier sur lequel le temple est bâti. Donc, que sa volonté soit faite. Et il m'a donné le papillon, m'a recommandé aussi le Bougon, là-bas au bâtiment A, au rez-de-chaussée, le traumatome. Je suis allé, ils ont répété la même chose. Il n'y a pas de problème. Ils ont commencé les soins. Et j'habite le quartier avec un pasteur, qui s'appelle Pasteur Aubin. Il me dit, je vais t'envoyer quelque part, quelle que soit la gravité de la situation, Dieu va intervenir. Et il m'a accompagné ici un mardi. Nous sommes venus, l'amant a prié pour moi, ils m'ont donné l'huile, je suis parti. Mais comme ils ont bandé ça, je ne peux rien, je ne peux pas te faire. Vous pouvez regarder les images avec moi. Et trois jours après, j'ai pris le courage d'enlever la bande et puis verser l'huile après les soins. Et je ne sentais pas mon pied. Quand on décape, on prend la lame pour enlever en bas de mon pied, je ne sais pas que c'est mon pied. Mais quand j'ai commencé la pratique de l'huile, trois jours après, j'ai commencé à sentir le mal. Alléluia! J'ai vu le pasteur, nous sommes, on en a parlé. Il me dit, ah, là-bas aussi il y a le médicament de diabète. Il me dit, ok. Et depuis plus de deux semaines, j'applique. S'il y avait une chaise, je peux enlever. Je vous assure que c'est cicatrisé. Et je pense bien que jusqu'à la fin de. Jusqu'au 30, au 15 de ce mois, je pourrais porter chaussures. Quand vous arrivez, vous allez voir.
voir les pieds coupés, les bras coupés. Mais papa, il ne veut pas couper ta parole, mais il veut savoir pendant combien de temps ils sont mis sous cet traitement et que le pied était la même. Bon, c'est. Quand je suis venu ici, ça fait 2 semaines. C'est là que j'ai commencé à sentir le mal. Sinon, avant, je ne sentais pas mon pied. Quand j'ai commencé la pratique d'huile, j'ai commencé à sentir mon pied. Jusqu'aujourd'hui, je peux même que. Avant, je partais tous les jours à l'hôpital. Quand j'ai commencé, ils ont commencé à dire vous venez chaque 2 jours. Et cette semaine, on m'a dit de venir 2 fois la semaine.